Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de mon passage à Ninja Warrior. Enfin mon passage c'est un grand mot. Justement ce passage qui n'a pas eu lieu vendredi. En toute logique c'était la session de vendredi. Alors avant de vous expliquer un petit peu, je dirais la méthodologie made by TF1 d'honorer ses candidats et de les respecter et tout ça et tout ça. Je vais vous expliquer un petit peu comment s'est passé mes présélections, sélections, enfin comment ça se déroule dans un premier temps. Dans un deuxième temps, vous parler un petit peu, je dirais, de toutes les injustices. Enfin, c'est un grand mot, injustice, parce que c'est qu'un jeu télévisé, on s'en fout un petit peu quelque part, mais je dirais de l'irrespect, on va dire, de TF1 par rapport à ses candidats. Et en troisième plan, je vous montrerai la vidéo, celle que vous voulez voir absolument là déjà. Donc si tout ce que je vous raconte ne vous intéresse pas, allez voir ma vidéo et contentez-vous de mon passage et puis c'est tout. Mais maintenant, je vais juste vous parler donc de la façon dont ça se passe. Ça va être très rapide, je vous rassure tout de suite. Tout d'abord, vous envoyez un mail à Ninja Warrior en leur disant « Je souhaite participer à l'émission. » Ils vont dire « Ok, fais une présentation. » Tu fais une présentation par écrit. Alors là, voilà, tu montres que tu aimes la vie, que tu es passionné, etc., etc. Ils te disent « Super ta présentation. Maintenant, fais une vidéo où tu te filmes. Où tu nous refais en gros une présentation. » Donc j'ai refait une vidéo, je me suis filmé à l'arrache, hein, je précise, et j'ai refait une présentation. Enfin à l'arrache, non, j'ai fait un montage à vrai dire. J'ai fait un montage, c'est justement là où vous allez vous démarquer en fait. Hein. Donc tu fais un montage, tu montres ce que t'aimes, tu fais le sport que tu fais, etc. etc. Faut avoir des choses à dire, hein, sinon ils vous prendront pas. Voilà, donc après là ils vous remarquent, ils vous disent « Ah c'est super, je crois que la boîte c'est Jim Prod. » C'est une boîte en fait qui n'appartient pas à TF1, c'est un prestataire de service. Donc TF1 fait appel à cette boîte de recrutement, c'est eux qui recrutent. Donc Jim Prod fait le boulot. Bon ben voilà, ils ont vu la vidéo, ils ont vu que j'avais un côté sport de combat, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que je fais beaucoup de sport de combat à un niveau quand même relativement honorable. Hein. Je suis vice-champion de France de Sambo en 2015. J'ai gagné le Naga, qui est une compétition européenne de grappling, même européenne. Ça se passe à travers le monde, à vrai dire, mais là, c'était le Naga Europe. J'ai gagné quand même des trucs, quoi. J'ai fait quelques podiums et tout, voilà. C'est pas à très haut niveau, hein. Mais il y a des choses, quand même. Vice-champion de France de Sambo, c'est quand même pas dégueulasse. À 20 secondes de la fin, j'étais champion de France, j'aurais pu faire les Europes. Enfin, voilà, quoi. Donc, j'ai un niveau correct en tout cas de sportif. Et puis j'ai un côté aussi manga, geek et tout que vous me connaissez, hein, puisque je parle souvent de manga, de jeux vidéo à la base, hein, c'est surtout ça mon délire, j'ai un site, etc. etc. Donc j'avais des choses à dire sur ma personne. Donc ils m'ont vu, ils m'ont dit génial, on adore ce que tu fais et tout, c'est génial, mais on veut que tu mettes en avant plutôt ton côté geek que ton côté sportif. Ah, je dis ah ouais, tout bon, c'est pas trop ce que j'imaginais, mais bon, pourquoi pas. Ah, il faut que tu viennes habillé en Goku. Enfin, je vous résume, hein. Il faudrait que tu viennes habillé en Goku et tout. Je dis si vous voulez, mais une tenue classe quoi. Donc j'ai pris une tenue qui mélange sport, donc style MMA et Goku. Avec notamment l'oreillette, enfin l'oreillette. Le scooter, pardon. Donc l'espèce de lunette hein, que j'avais, ça s'appelle un scooter lié à Dragon Ball. L'équipement, le short, enfin c'est des vêtements qui sont faits pour le grappling à la base, mais qui ont l'effigie de Son Goku, donc je trouvais ça très classe même. Donc j'y suis allé là-bas, donc vous allez. C'était à Malakoff, moi ça s'est passé à Malakoff. On va là-bas pour les présélections de Jim Prod. Donc on passe une après-midi là-bas et on commence par, on est par groupe de 5-6 à peu près, et on commence par des épreuves physiques. On est dans une salle et on a des épreuves physiques à gauche à droite qui représentent plus ou moins ce qu'on fait à Ninja Warrior. Évidemment, je n'étais pas entraîné du tout, je fais que mon sport que je faisais, et j'ai fini, parce que j'avais parlé un peu plus ou moins avec le mec, là-bas, genre deuxième je crois. Il y avait un mec avant moi et dans le groupe j'étais deuxième. Au niveau des épreuves et tout, j'étais pas mauvais du tout. Franchement, je me suis surpris moi-même. Bon, j'ai pas tout réussi, hein. Il y a une ou deux épreuves où j'étais franchement mort. Mais j'ai fait quand même une prestation plus qu'honorable. Donc là-dessus, ils étaient très contents. Et après, il y a une partie où ils vous filment eux, donc avec une caméra. Ils te posent des questions et il faut répondre de l'instantané. Alors, toute l'équipe de là-bas, ils étaient super. Jim Prod, franchement, rien à dire, vous étiez au top. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Et là-bas, donc, je me suis fait interviewer par deux personnes, de nanas très très sympas, qui m'ont interviewé, et elles m'ont dit bah, « C'est trop bien comment tu parles, on a l'impression que tu es dans une de tes vidéos YouTube. » Et elles m'ont trouvé super à l'aise, elles m'ont dit « Tu parles bien, tu te débrouilles bien, tu as des choses à dire et tout, franchement c'est top. » Ils ont dit « C'est vraiment top. » Donc j'étais franchement en plutôt bonne position. Un mois après, je reçois le mail qui me dit « Vous avez été sélectionné pour Ninja Warrior, c'est le top du top, voilà. » Donc j'étais très content, franchement j'étais très très content. Puis, j'ai la prod de TF1 cette fois-ci qui m'appelle, donc je vais pas citer leur prénom, etc. C'est un groupe de jeunes nanas, pareil, c'est souvent des jeunes là-bas qui s'occupent de ça. C'est un groupe de jeunes nanas, donc certaines étaient
enfin elles étaient toutes sympathiques honnêtement, mais il y avait un peu du sevi quand même là-dedans, il y avait du sevi un petit peu. Donc moi j'étais à Hong Kong à ce moment-là, il m'appelle, il commence à me bombarder vers la fin. Il me bombarde. Donc moi, je passe 3 jours à Toulouse pour m'entraîner dans la salle Warrior Adventure. J'ai pris des journées de congé, j'ai prévenu mes collègues, j'ai prévenu mes amis, je vais passer à Ninja Warrior, c'est top, tatati, tatata. Écoutez bien. Donc ils me disent, est-ce que tu vas être avec ton équipement de Goku, tout ça, c'est super. Pense à faire un cri de guerre, pense à faire une position, pense à faire le show en fait. Moi je dis, ok, vous inquiétez pas, on va faire ce qu'il faut faire, il n'y a pas de problème. Après ça, ils me disent, peut-être une semaine avant, enfin un peu plus d'une semaine avant le tournage final, donc ils envoient des paperasses et tout ça, ils me disent, peux-tu nous dire le nom, le prénom de tes accompagnants? Pas de souci. Et là, dans mes accompagnants, donc, parce que les accompagnants, en général, ils sont vus aussi à la caméra. Après, vous en déduirez ce que vous voulez, mais je vous dis les choses telles quelles. Donc, il y avait 3 cousins à moi. Écoutez bien, moi, je m'appelle Selim. Il y avait Karim, il y avait Samy, et il y avait Malik. Donc, 4 mecs. Et voilà. Alors, on me dit, ouais, commence pas à partir dans des délires comme ça et tout ça. Je vous dis juste les faits. Une heure après, façon de parler, mais dans la journée, je reçois un coup de fil. Une fois que je donne les noms de mes accompagnants, je ne porte aucune conclusion, d'accord, je sais qu'il faut pas jouer avec ce genre de choses et tout, donc je porte aucune conclusion, mais je dis les faits, voilà, de manière, je reçois un coup de fil, oui, allô, Céline, écoute, on a un souci, on a un problème de logistique, hein, c'est très bien de qui je parle, on a un problème de logistique, tu vas pas pouvoir venir. Là, je leur dis, mais il y a un problème, j'ai posé mes journées de congé, j'ai prévenu mes collègues, j'ai prévenu ma fanbase sur Facebook, j'ai prévenu mes amis, J'ai été m'entraîner pendant 3 jours, j'ai payé un billet d'avion pour aller sur Toulouse, pour aller m'entraîner là-bas, j'ai payé la salle, etc. J'ai tout prévu, tout est clôturé, c'est mort. J'ai payé les billets d'avion et de train de mes accompagnants, parce qu'il faut savoir que eux, tout est à leur charge. TF1, ils brassent des milliards. Alors ils me disent oui, mais machin. Mais là-bas, ils ne vous payent même pas le petit déjeuner. À vous, ils vous le payent, mais aux accompagnants, ils rêvent. Voilà. Pareil, le soir, tout. Il y a beaucoup de choses à votre charge quand même. Vous allez trouver ça normal, moi je dis que c'est pas normal. TF1 brasse des milliards. C'est pas pour 200 candidats, honnêtement, 200 candidats, ça représente que de chi pour eux à honorer. Mais bon, ça c'est un autre point de vue. En tout cas, voilà, ils m'ont dit c'est pas possible. Bah, tu vas pas pouvoir venir, problème de logistique. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait, il y a un problème avec les accompagnants que je vous ai cités. Qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse? Que je vienne avec quoi, en fait? C'est quoi le truc là? Non, non, ça n'a rien à voir et tout et tout. Ok, très bien. Ok, mais tu vas pas pouvoir venir, mais je vais essayer de défendre ton truc. De défendre mon truc? À Jim Prod, ils étaient super à donf sur moi. Et là, maintenant, TF1, d'un coup, ils veulent plus voir ma gueule. Je dis, c'est pas terrible, ça. Donc, démotivation totale, je m'entraînais plus. Parce que je m'étais entraîné, j'avais pris un rythme d'entraînement, franchement, qui était assez intensif. Je m'entraînais plus. J'étais dégoûté, honnêtement, ça m'avait dégoûté, ça m'avait écœuré. Je dis, comment je vais m'afficher, je vais devoir dire aux autres que finalement, je passe pas et tout, c'est horrible. C'est la honte, quoi, tu vois. Ça fait presque pitié, quoi. Et ils m'ont fait quoi? Ils m'ont dit, ouais, on va défendre ton beefsteak, on revient. Alors, du coup, la personne faisait des allers-retours. Oui, non, mais ça va vraiment pas être possible. On avait vraiment l'impression que j'étais un pestiféré. Que c'était vraiment, on a tout fait pour toi, c'est mort. Mais pourquoi? Logistique. Vous savez, le mot qui veut tout et rien dire. Alors après, ils reviennent, ils me disent oui, c'est bon. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est bon pour toi. C'est bon pour toi. On a réussi. Hein, on a déjà, tu te sens sali. Hein, tu te sens vraiment sale. On a réussi à te faire passer. Mais il faut que tu viennes avec le vrai habit de Goku, c'est-à-dire parce que moi j'avais un short en fait, style Goku, vous allez le voir dans le truc, super classe. Ils m'ont dit, il faut que tu viennes avec l'habit intégral. Et là, ils me montrent un habit, mais de bas étage de Goku, un truc franchement qui fait plus ridicule qu'autre chose, qu'une espèce de perruque limite avec le vêtement ample en bas. Donc pour les épreuves, c'est pas terrible du tout, déjà ça. Et puis même, d'un point de vue éthique, moi je me vois pas porter ça. Je leur dis non, je veux être à l'aise et je veux être en mode Goku beau gosse, pas Goku des cosplays à 2 balles, tu vois. Ah ouais, mais non, mais ça va pas être possible. Je fais, mais non, je suis désolé, mais c'est quoi ce truc? J'ai pas bataillé comme ça, donc j'ai refusé catégoriquement. Je me vends pas, moi, je suis pas comme ça. Je fais ce que j'ai envie de faire, personne m'impose quoi que ce soit, ça n'existe pas, ça, pour moi. Donc j'aurais dit ok, je fais, bon, vous la jouer comme ça? Ok. Je leur envoie un mail qui fait ça, où je commence à sortir des lignes de... par rapport à, pas la justice, mais en expliquant qu'il y avait des dommages, des préjudices moraux derrière qui sont importants, que genre je dormais plus, tout ça, bon ça c'était du bluff, hein, mais je dormais plus, qu'il y avait des préjudices moraux, que je vais avoir la honte, la risée devant les gens, préjudices financiers, ça c'était complètement réel par contre, les préjudices financiers, ou voilà.
Alors je sais, en toute honnêteté, qu'en faisant cette vidéo, je me grille. Je me grille parce que du coup, je voulais me réinscrire l'année prochaine et tout, malgré tout, parce que le côté challenge me plaisait. Mais je m'en fous, je sais que de toute façon, ils me reprendront plus. Ils m'ont tellement blacklisté que c'est même pas la peine. Donc j'en ai rien à faire en fait. Je préfère dire ce que j'ai à dire et puis voilà. Donc, bim. Les mecs, j'en dis préjudice et tout, je commence à sortir ça. Honnêtement, j'avais même appelé un avocat, je vous jure, hein, qui m'a dit que ça allait être tout gagné, quoi. Alors je me suis dit, ben, vous savez quoi, je vais les déplumer et puis c'est pas grave. Et finalement, donc après que j'envoie le mail, oui, finalement c'est bon, on a réussi à trouver une solution et tout, machin. Tu viendras comme tu veux. Ils me disent tout d'un coup, ils deviennent super sympas. Tu viendras comme tu veux. Viens comme tu veux, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Je fais à ce point-là. Putain, mais ils me préparent un truc. Ils commencent à m'envoyer les règlements, ils m'oublient dans des mails, ils t'envoient 25 mails qui corrigent l'autre, archi mal organisé. Tu comprends plus rien. Ils demandent de ramener plusieurs tenues différentes. Donc je vais acheter des tenues de sport, je vais acheter des machins, etc. etc. Puis, donc on va sur Cannes et je vois que mon nom ressort un peu, il ne calcule pas trop, je sais pas, c'est étrange, il ne calcule pas des masses. La nana me dit, oh putain, tu reviens de loin. Mais genre, je reviens de loin de quoi? À la base, Dim Prod, ils étaient fans de moi. Quand je suis arrivé là-bas, les gens ils m'ont dit, mais t'es en Goku, tu déchires, c'est trop bien ton équipement, c'est super. Tout le monde a reconnu Goku du premier coup d'œil. Eux, ils trouvaient que ça faisait pas assez Goku. Mais vous êtes malade ou quoi? Allez augmenter votre culture générale alors, vous êtes nuls. Ça fait Goku à la mort, ça fait un clin d'œil génial. Oui, mais machin, etc., etc. Arrivé là-bas, ils ne m'ont plus calculé. Donc par contre, le camp était vachement bien, enfin le club de vacances entre guillemets était vachement bien, super beau et tout, franchement rien à dire là-dessus, c'était des appartements. Donc j'arrive avec mes cousins, franchement le top du top. Par contre, comme je vous dis, ils payaient que le petit déjeuner à vous, le reste allez vous faire voir, il n'y a pas de souci. Donc pas de galère et tout, ça se passe bien, là-bas je fais des rencontres comme ça. On a fait une équipe magnifique, il y avait Dario, il y avait toute l'équipe à qui je m'entendais très bien, il y avait Cyprien, pas celui de YouTube, hein, loin de là, non, celui qui est champion de bras de fer de France, etc. Vraiment le top. Et arrivé là-bas, je vois que tout le monde part, ce qu'ils appellent en rendez-vous. Les rendez-vous, en fait, c'est des portraits, c'est-à-dire que l'équipe vous prend à part, vous fait des tournages à part, ils vous interviewent, vous posent des questions sur votre vie et tout, mais quasiment tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes. Moi, ils me calculent pas, j'existe même pas. C'est-à-dire que moi, à peine bonjour, ils sont gênés limite. Ils me disent, oui, salut, ça va Selim, putain, c'est le boulet limite. Bon, ok. Je me dis, bon, on verra bien. Le jour du tournage, on arrive à 18h sur place. Arrivé sur place, il y a 4 primes. Donc, c'est-à-dire que pendant 4 jours, il va y avoir des éliminations. Il y a 4 sessions différentes. 50 mecs. Dans ces 4 primes, comme vous avez pu le voir à l'émission, ce sont des épreuves différentes à chaque fois. Pour l'instant, j'ai pas vu les autres épreuves, mais sur les 2 premières épreuves, sur les 2 premiers primes, je trouve que le nôtre était le plus dur. Le papillon, là, l'espèce de mur, c'est une plaie totale. C'est vraiment extrêmement difficile. Voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais c'était extrêmement difficile. Mais après, je vais vous dire, dans les conditions dans lesquelles je les ai passées, moi, et je ne me trouve pas d'excuses, ça se trouve que même en temps normal, j'aurais pas pu le réussir, mais je me dis qu'ils m'ont pas aidé, quoi. Mais alors, ils ont vraiment fait en sorte que moi, je n'y arrive pas. Donc déjà là-bas dans le camp, ils m'ont mis complètement de côté, ils me calculaient mais alors à peine. Hein. Notamment Miss V, hein, je vais pas dire son blase, mais Miss V qui faisait la meuf un peu sympa et tout, mais quand je l'interpellais pour faire un petit point, elle était tout le temps en mode speed. Mais bon, ça j'ai pas apprécié du tout honnêtement. Voilà, pas d'excuses, rien. Enfin, vite fait on va dire. Bref, peu importe. Et donc, bon, je m'en foutais, après j'étais là-bas plutôt pour délirer qu'autre chose. On passe notre prime, tout en sachant donc que... ce que vous avez vu déjà vendredi dernier, c'était pas le premier prime. Le premier prime, c'était nous. Eux, c'était le second prime. Après, c'est le montage. Mais ça, c'est pas très grave qu'ils passent eux avant nous et tout. C'est pas grave. C'est juste pour vous expliquer la réalité des faits. Donc, nous, on passe et on arrive sur le site à 18h. Très important. 18h. Fallait être là-bas à 18h. Il faut faire passer les 50 candidats. Et moi, je vois, je suis en bout de liste. Je suis le dernier. Je suis le 50e. Et il y a énormément de choses qu'il faut que je vous dise. Et là, du coup, je vais mélanger un peu les parties entre elles. Je vais vous montrer des passages de l'émission et vous dire à quel point, donc ce sont des mythos, moi je suis passé le dernier. Sur les 50, je suis passé le 50e, je suis passé à 3h20 du matin pour être précis. 3h15 ou 3h20. C'est-à-dire de 18h, j'étais là-bas en train d'attendre. Tous les mecs se faisaient appeler les uns après les autres. Déjà que j'étais démotivé, que j'avais arrêté de m'entraîner. J'avais plus envie de rien. Là-bas, ils me font passer le dernier. Alors qu'il y avait une clause dans leur contrat qui disait, en gros, si on n'a pas le temps de vous faire passer, vous pouvez pas vous retourner contre nous. Et j'arrêtais pas de penser à ça.
En gros, je me dis, ils m'ont fait venir et ils vont pas me faire passer. Donc là-bas, tous les mecs passaient les uns après les autres. Et qui a appelé le dernier? Qui c'est qu'on appelle le dernier? C'est Bibi. Mais à la fin de la fin, mais genre vraiment le boulet, c'était moi, quoi. Le 50e, pas le 48e, pas le 49, le 50e, c'était moi. 3h15 du matin, j'étais comme ça, tout seul dans les loges. Je me faisais chier, j'étais en train de m'endormir, j'étais à moitié éteint, de 18h à 3h30 du matin. Vous vous imaginez bien. On m'appelle, on me dit de le faire. J'y vais, mais en mode plus rien à battre. Et je fais l'épreuve, que vous allez voir, et je tombe au papillon, donc relativement rapidement. J'étais très déçu de moi-même, déjà moi-même parce que je sais que je suis tellement capable de mieux, mais alors tellement pour les gens qui me connaissent. Mais en même temps, ils m'ont vraiment pas aidé, quoi. Me faire passer le dernier, c'est vraiment comme si c'était très important pour eux que je ne passe pas. Et là-bas, sur place, à la fin, tout le monde se faisait récupérer à la fin, donc après Sandrine Quétier, pour une petite interview en plus, moi, à dégager, aucune interview, mais rien. Ma vie ne leur intéressait absolument pas. Blacklisté de chez Blacklisté. Voilà. Donc je trouvais ça très très dégueulasse de leur part, un manque de respect mais total et complet, et j'ai pas apprécié du tout, vraiment j'ai pas apprécié du tout. Maintenant concernant les mythos, parce que TF1 ce sont des vrais mythos, je sais pas du coup si je peux me faire poursuivre pour ça, tant pis, au pire je continuerai à faire des vidéos là-dessus pour leur montrer jusqu'où ils sont capables d'aller et de les allumer, mais ce sont des mythos, mais je vais pas parler qu'en mon nom, je vais parler aussi au nom des autres candidats parce qu'il y avait des gens qui n'ont pas été diffusés, qui avaient des choses à dire. Moi, on s'en fout. Moi, c'était en mode sportif geek, etc. Ils m'ont pas fait de portrait, ils m'ont pas calculé. Ça sentait mauvais. Ça veut dire que, bien évidemment, j'allais pas passer, ça se sentait. Mais j'avais toujours un espoir. Ceux qui voulaient me voir vendredi, parce que j'ai reçu beaucoup de messages je vais pas dire de mes fans, j'aime pas ce terme, mais de mes amis sur Facebook de mes amis sur Facebook et de mes connaissances, beaucoup de messages. Alors, tu passes. Je leur disais, arrêtez de vous faire des films, je ne passerai pas. Je suis pas débile. Ils ont bâclé l'émission, mais d'une façon, ils ont haché tout le monde, même les gens à qui leur ont fait croire des choses et tout, ils les ont bâclés. Évidemment, j'avais pas de portrait, mais je pensais que peut-être, sur un malentendu, vu que j'étais habillé en DBZ et tout, qu'il y avait la musique, que j'ai fait le show hein, là-bas, hein. Je fais Kamehame, vous allez voir la vidéo et tout, je pensais vraiment que j'allais peut-être avoir un espoir. Que dalle. Là-bas, franchement, je vais vous dire tout de suite, ce que j'ai bien kiffé, c'est Sandrine Quétier. Et Denis Brognard, gentil, serviable, souriant, au top du top. Eux, il n'y a rien à dire. Eux, ils y sont pour rien. Ils sont vraiment naturels, ils sont gentils, ils sont... Voilà, je sais pas comment vous expliquer, ce sont des gens bien. Voilà, c'est pas des gens... c'est pas des fakes, voilà. Christophe Beaugrand, j'ai pas parlé avec lui. Après, le personnage, je suis pas fan du tout, j'aime pas du tout, mais ça, c'est encore autre chose. Maintenant, on attaque l'émission, donc je vous ai mis quelques petits passages vite fait, pour vous montrer à quel point ce sont des mythos, ce sont des menteurs. Je vais pas citer tous les trucs, parce que ça serait trop long. En termes de manipulation, en termes de mensonges, en termes d'irrespect, tout ça, il y en a pour beaucoup à dire. Mais je vais vous montrer trois petits passages très simples. Brune est en très bonne compagnie avec un charmant jeune homme qu'on connaît bien. Alors, Baptiste Jabiconi, chanteur, mannequin international, égérie de Karl Lagerfeld. Je vais faire des jalouses hein, ce soir. Bon, Baptiste, tu le sens comment le parcours? Là, je suis dans l'adrénaline, j'ai hâte que ça commence. Est-ce qu'il t'impressionne, ces obstacles? Il m'impressionne énormément, J'ai très peur, pour tout te dire. Bah, c'est bon, alors hein. Souviens-toi, quand tu as démarré de Danse avec les Stars, tu ne savais pas danser, tu as été finaliste de Danse avec les Stars. Moi, je suis certaine que tu seras finaliste de Ninja Warrior, ok? On va tout donner, ça en est, compte sur moi. Alors, premier mytho à balancer quand même. Baptiste Jabiconi, qui dit en gros, oui, vivement, je vais le faire, le truc, je pense que je vais y arriver et tout et tout. Mais ça, par exemple, c'est pas très grave comme mensonge, mais quand même. Sachez que ça a été tourné après, parce que moi je l'ai vu en live, ça a été tourné après qu'il ait fait l'épreuve. C'est-à-dire, il a fait l'épreuve, il l'a raté au papillon, et puis après, il a fait style, oui, vivement que je fasse l'épreuve, je suis confiant et tout. Alors là, ils vont me dire, oui, mais c'est pour le montage. Oui, d'accord, mais là, vous faites croire juste aux spectateurs que c'est spontané ce qu'ils sont en train de dire. C'est pas spontané puisqu'il a fait l'épreuve avant. C'est du mytho, ça c'est la première chose. Deuxième chose. Mais heureusement, après tous ces échecs, un espoir subsiste pour nos féminines ce soir. Il s'agit de la dernière fille, mais surtout de la dernière des 50 candidats de la soirée. C'est l'heure du grand retour. Ah. Oui, Christophe. Oui. De Charlotte de Quevauvilliers sur les obstacles de Ninja Warrior. Alors ça m'a complètement énervé. Ça, franchement, quand j'ai vu l'émission, c'est ce qui m'a motivé à faire cette vidéo. Ils disent, en passant la dernière candidate, que c'est la dernière des 50.
Vous mentez, bande d'enfoirés. Vous mentez. Le 50e, le dernier des derniers, c'était moi qui ai passé à 3h20 du matin, complètement fatigué, complètement éteint, avec, sur le papillon, la moiteur des gens qui sont restés dessus, qui fait que j'ai aussi glissé, entre autres. Parce que je l'ai attrapé, ce papillon de merde. Je l'ai attrapé, mon poids m'a tiré vers le bas, ça c'est clair, et ça a glissé également. Ça a glissé. Déjà, Baptiste Jabiconi lui-même, il est passé au début, il disait que ça glissait avec de l'eau. Il a raison. Mais alors imaginez-vous, moi je suis 50e, tout le monde a essayé de l'accrocher le truc, toute la flotte qu'il y a là-dedans, etc., etc. Donc moi je suis arrivé, j'étais le plus mal servi. Voilà. C'est pas dit que j'y serais arrivé en temps normal, je ne dis pas. Mais voilà. Donc ça c'est une chose à savoir aussi. Donc la 50e, c'était pas cette femme qui est passée, c'est pas vrai. C'était moi le 50e. Donc ça c'est du mensonge. Et ça c'est pas cool, c'est pas bien de mentir. Alors petite parenthèse vite fait aussi sur un truc. Le papillon était tellement catastrophique, le résultat, tout le monde tombait. En fait, tout le monde tombait. Qu'ils ont décidé de changer un peu la règle. Ils ont avancé le trampoline, genre de 50 cm, je crois, ou un truc dans le genre, je sais plus combien. Pas énorme non plus, mais ils l'ont avancé un petit peu pour dire on peut pas continuer comme ça, sinon il y aura pas de qualifiés. Et ils ont raison, tout le monde tombait dans le papillon. Du coup, mais ça c'est légitime quelque part. Il y a des gens qui ont eu la chance, hein, de le refaire, dont Tristan, notamment l'Asiate, vous savez, l'Asiate qu'on a vu, il a eu le droit à un portrait, tout ça. Et il a eu le droit de le refaire deux fois, par exemple. Par contre, il a eu raison de gueuler, je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est tout à fait légitime. Parce que ce ils l'ont eu dans la version dure, en fait. Mais alors, les 50 cm ou quoi, franchement, ça n'a pas changé grand-chose, puisqu'il est tombé une deuxième fois, comme d'autres. D'autres ont eu cette chance, du coup, de pouvoir appréhender le parcours, de le faire une fois, et de le refaire une seconde fois au final. Nous, on n'a pas eu cette chance-là, malheureusement. Mais on l'a eu dans la version facile, donc on arrivait dessus, on était là, moi j'étais tellement pressé et stressé de le terminer que je me suis même pas bien essuyé les pieds, j'ai même pas testé de trampoline avant, je me suis jeté comme ça, enfin voilà, c'était nul quoi. Donc ils ont eu cette chance de le refaire, mais là c'est pas une critique, je dis juste c'est un fait, c'est légitime, il y en a certains, sachez-le, qui ont dû le refaire deux fois. Et le dernier point qui est franchement mais magnifique et magique en termes de mensonge, c'est ce passage-là. ...de Gloubi Boulga pour affronter le parcours. Alors, que va-t-il choisir, à votre avis, hein, Casimir a plutôt de la force dans les jambes ou dans les bras? Je ne sais pas, moi. Casimir, ne nous déçois pas, tu étais notre idole, l'idole de notre enfance. Il fait les anneaux. Est-ce que vous pensez qu'il peut aller au bout du parcours? Oui, oui. Ah ben attends. Mais attends, il est incroyable, déjà attrapé le premier. Mais il est énorme, non, Casimir, non. Oui, oui, ben c'est... Ah, Casimir. Oh, le pauvre, il est bon, il est bon, Casimir. Alors, moi je connais pas son identité, tu la connais toi? Je ne sais pas qui c'est, c'est Casimir, excusez-moi. Un peu de rêve, c'est Casimir. C'est Casimir. Mais Casimir, non, c'est bon. Mais c'est bon. Il a quand même atterri comme une petite crotte, ouais. Mais c'est pas grave. Bravo Casimir. Un applaudissement pour Casimir. Oui. Le plus difficile pour lui, c'est de monter sur les plateformes de départ. Mais là le problème c'est qu'il il a perdu la tête. Il a la tête de travers. Hey, quand un Casimir rencontre un papillon, ça donne quoi? Oh, c'est dommage, Casimir. Franchement, hey, Casimir, on peut l'applaudir parce que c'est pas évident. Ah oui, bravo Casimir. Non mais déjà, regardez, ils sont deux voire trois pour le sortir de l'eau, notre Casimir. Non mais déjà, il a passé le premier obstacle. Et... Non mais hey, c'est quand même que c'est le seul depuis le début à avoir fait une impulsion deux pieds dans le trampoline. Hey, Casimir, on t'aime. Bravo Casimir. Voilà, alors le fameux Casimir, hein, il y a carrément le nom, l'âge et tout en bas qui s'affiche et tout. Eh bien, sachez, je vous le dis, que tous les mecs, tous quasiment, que ce soit Bob l'Éponge ou Casimir et tout, qui sont déguisés intégralement, on ne voit ni la tête ni rien du tout à un moment donné, ce ne sont pas des candidats. Ce sont des testeurs professionnels. On les a vus, Casimir, on l'a vu retirer son casque, on a vu que c'était des testeurs professionnels. C'est pour ça que les mecs déguisés, ils y arrivent plutôt bien, pour des mecs déguisés. Donc ce ne sont pas des candidats. Ils les font passer à la télé comme s'il y avait des candidats un peu foufou qui avaient accepté de le faire déguisé en Casimir ou un truc comme ça. Voilà, ça c'est encore une fois du mytho et du mensonge pour faire du show. Voilà. Donc moi je dis, je balance les choses, j'en ai rien à faire. Moi voilà, c'était juste pour que les choses soient à plat et pour montrer à quel point tout est très 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 orienté. Moi ils ont tout fait pour pas que j'y arrive et donc je l'ai ici. Et voilà. Bon, maintenant j'ai trop parlé, finalement je pensais que ça allait être court, mais voilà. Il y a des gens qui se plaignent, il y a eu Lorenzo avec qui j'ai fait le casting d'ailleurs, qui a fait un blog apparemment dessus, qui c'est à Téléstar. Je vous invite à aller voir son article où il se plaint grave et il a grave raison. Moi honnêtement, je fais pareil, ça m'a dégoûté quand elle a dit. Alors en plus, c'est Sandrine Quétier qui dit ça, mais elle y est pour rien. Quand elle dit c'est la dernière des 50 candidates. C'est pas vrai. Ce n'était pas la dernière des 50 candidates. J'étais le dernier des 50 candidats. Ils m'ont fait passer à la fin comme un boulet. J'étais fatigué plus qu'autre chose et j'ai fail.
voilà les amis, il fallait absolument que je vous dise un peu l'envers du décor de Ninja Warrior. Et imaginez-vous alors comment ça doit être pour les trucs comme Koh-Lanta, etc. À quel point c'est extrêmement orienté et manipulé. Il y a des mensonges, il y a du show, c'est pas très naturel et c'est pas très sain tout ça. Voilà, c'est mon coup de gueule. J'espère franchement que TF1 va voir cette vidéo. J'espère que les nanas là-bas qui m'ont accueilli là-bas, etc. Vous allez voir aussi que ça aurait été cool de montrer un peu plus de considération aux gens, dont ceux qui ont été un peu lésés, même beaucoup lésés comme moi. Et je trouve pas ça cool. Je voulais dire un message très important. En termes de diffusion, j'ai oublié de dire ça, heureusement j'y viens d'y penser. En termes de diffusion, ces enfoirés, ils ont évincé énormément de personnes de la diffusion. Vous allez me dire, c'est normal, là, ils ne peuvent pas passer tout le monde. Je comprends. À la limite, qu'ils ne me passent pas moi, pourquoi pas? Même si pourtant j'étais bankable, dans le sens où j'étais en Goku, ils font passer la musique de Dragon Ball Z d'Ariane, j'étais même pas au courant de ça. J'ai fait le show, vous allez voir la truc. C'était bankable, ça allait toucher pas mal de personnes, de toute façon, cette partie-là. Vous voyez ce que je veux dire? Même si c'est illogique qu'ils ne m'aient pas fait passer, mais c'est pas grave. Il y a eu des gens bien, qui avaient un vrai message à faire passer, qui n'ont pas fait passer ces enfoirés, parce qu'ils sont tombés plus ou moins rapidement. Il y a eu Julie qui était une grande brûlée et qui a été au charbon, qui n'a pas peur de se montrer à la caméra, qui a été faire les épreuves, qui était une guerrière. Ils ne l'ont pas fait passer, alors qu'ils lui ont fait un portrait. Hein. Il y a eu Kevin qui est atteint d'une maladie, de la mucoviscidose. Si je dis pas de bêtises, j'espère que je me trompe pas, mais en tout cas c'est une maladie importante qu'il a, je crois que c'est la mucoviscidose. Et qui quand même, malgré que on lui avait fait croire que... Enfin, on lui avait dit que comme quoi il était malade, très grand malade, qu'il pourrait plus faire telle ou telle chose. Il a rien lâché de la vie. Maintenant, il fait du grappling, il a un très bon niveau. Voilà, c'est un sportif de haut niveau maintenant. Il se déchire et tout et tout. Le mec, il combat sa maladie de l'intérieur. Je le respecte, un truc de fou. Et ce mec-là, ben, bravo à lui. Ils lui ont fait un portrait carrément. Il voulait vraiment faire passer ce message de même si vous êtes malade, même si vous... Allez-y, on y va, on déchire tout. Ils ne l'ont pas fait passer parce qu'il est tombé malheureusement... à la première épreuve, il s'est tordu la cheville aux anneaux, donc il est tombé directement. Ils l'ont pas fait passer. Et il y avait le troisième, c'était un mec que j'avais vu moi, à qui il manquait une jambe. Et du coup, il avait une jambe factice. Et quand même, le mec, il s'est déchiré, même s'il est tombé lui aussi dès le début. Il s'était grave entraîné et tout et tout. Franchement, il s'était super entraîné le mec et il s'est battu et ils l'ont pas fait passer aussi. Je trouve ça mais dégueulasse, c'est un truc de ouf. Je trouve ça vraiment vraiment dégueulasse. Je trouve que ça se fait pas. Si vous voulez mon avis, ça ne se fait pas. Et je trouvais ça complètement déplacé de leur part. Du coup, en fait, TF1 n'a montré que le côté happy, le côté heureux, le côté festival. Mais ces mecs-là, même s'ils avaient des maladies ou qu'ils étaient des brûlés et tout, faites-les passer. Vous leur avez fait faire des portraits, des choses comme ça. Et au final, vous les faites même pas passer. Je trouve ça dégueulasse. Moi, on s'en fout. Moi, j'étais là pour faire le guignol, entre guillemets. J'étais habillé en Goku et tout. Mais les autres, faites-les passer. Eux, là, Kevin ou la grande ou Julie qui étaient brûlés, des choses comme ça. On s'en fout, nous, qu'ils soient brûlés, qu'ils ont une maladie. Faites-les passer parce qu'ils ont un message à faire passer. Ça m'a écœuré aussi. Voilà, je tenais à le dire. Voilà les amis, c'était ma gueulante du jour. C'était pour vous expliquer pourquoi je ne suis pas passé. Maintenant, je vous mets ma vidéo. Je suis désolé, putain. J'espère que vous avez écouté ma vidéo jusqu'en entier. Je vous mets ma vidéo et foutez-vous bien de ma gueule. Ah, juste un dernier truc. Ceux qui pensent que c'est facile, ceux qui derrière leur écran pensent que c'est facile, sachez un truc, vous vous trompez. Si à un moment donné, vous pensez que c'est facile, vous vous trompez. Il n'y a rien qui est facile. Entre le fait que ce soit mouillé, le fait qu'on passe hyper tard ou hyper tôt le matin, ou voilà, il n'y a rien qui est facile, c'est pas vrai. Et en plus, c'est en one shot, donc voilà, ne vous faites pas des films non plus, ne vous inventez pas une vie comme quoi tout est facile, c'est pas vrai. Voilà ma vidéo, les amis, je vous remercie, je vous dis à très bientôt, ciao. Allez, Selim. Prochain candidat, il s'appelle Selim Madadi. Selim Madadi, alors... Qu'est-ce qu'il a sur l'œil là? Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est ça? Bah, c'est incroyable. C'est quoi? C'est pour... qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pour lui donner une vision peut-être encore plus clairvoyante. Mais non, c'est un super-héros. Il a déjà dessiné des mangas. Il a sorti une BD de manga. Il est passionné de manga et notamment, on l'entend, le générique de Dragon Ball Z. Z, 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 il a tous les pouvoirs. Dragon Ball Z, 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 la force et le savoir. Et je vous jure que ce n'est pas pour son père était un héros, le grand, le vaillant, sans beaucoup. Le monde saura bientôt que son esprit reste avec nous. Dragon Ball Z, 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 Z. Ouais. Bon.
Bon, Selim, à toi de jouer maintenant, à toi de montrer ce que tu es capable de faire sur ce parcours Ninja Warrior. Alors, vous savez, dans Dragon Ball, les héros sont les guerriers de l'espace. Je ne sais pas si ça va être un Ninja Warrior. En tout cas, il joue dans l'espace pour le premier obstacle, puisqu'il a choisi les honneurs. Et qui part à 4m20. Et qui va, on va lui souhaiter essayer d'effacer ses 5 anneaux. Voilà pour le deuxième. Le troisième qui enchaîne, oui. Spécialiste espoir de combat, notamment le sambo. Le sambo, c'est pas de la samba avec les photographes. Non, non, c'est sûr que c'est une sorte de judo. Bravo, il va nous faire un kamehameha. Je sais pas ce que c'est, ça. C'est un truc dans Dragon Ball. Vous êtes impeccable. Laissez-vous vous concentrer sur le parcours de Céline avec toutes vos bêtises. Il s'y retrouve. Moi, tu parles tout à l'heure, je dirais, dis-moi, Céline. Sur les plateformes. Oui. Alors, tu n'as pas semblé être marié, enfin. Allez, le papillon. L'envol du papillon. Mais non, il n'y aura pas d'envol du papillon. Et ça s'arrête là pour Selim. Selim, moi, je voulais un kamehameha, Selim. Je suis déçu, moi. Elle est bonne ou pas? Non, elle est pas bonne. Bon, écoute, ça va, je te je demande ce que je veux. Mais elle caille quand même, tu peux foutre. Bon, alors Céline, pourquoi déçu? Déçu parce que franchement, je m'attendais à mieux de moi-même. Voilà, déçu, j'aurais aimé aller un peu plus loin. Est-ce que tu as minimisé la difficulté du parcours? Non, je pense que en l'accrochant bien, je ne pas. Mais pas passé loin pour le papillon. Ouais, pas passé loin. Je vais être déçu quand je vais revoir les images. T'es arrivé un peu vite, malheureusement, sur le papillon. Écoute, ta venue nous a permis d'écouter le générique de Dragon Ball Z. Histoire de chanter. Et moi de chanter, donc ça c'était déjà beaucoup. Merci, Céline. Ah, exactement, rien que ça, c'est bien. Merci, merci en tout cas de nous avoir permis de redécouvrir ce merveilleux générique. Et bravo à toi. Ah, il a fait un kamehameha. Il a fait. Je sais pas s'il a fait. Il a fait. Merci. Ça s'appelle un kamehameha dans Dragon Ball. Ah, tu suis, c'est un bonheur. Allez, c'est parti. Ok, merci, John. Bravo. Merci. Alors juste pour info, c'est notre dernier candidat, je vous en ai envoyé comme jamais vous avez envoyé de la soirée les amis. Et à la fin je vous ferai un petit tirage, je sens qu'on prie. Allez Céline. Allez, allez Céline Madani. Céline Madani, alors qu'il a sur la... Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est ça? Ben c'est incroyable. C'est quoi? C'est pour... C'est... Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pour lui donner une vision peut-être... Il est passionné de manga et notamment, on l'entend, le générique de Dragon Ball Z. Z, il a tous les pouvoirs. Dragon Ball Z, la force et le savoir. Et je vous jure que ce n'est pas son rêve, mais c'est un héros. Le grand, le vaillant, Son Goku. Le monde saura bientôt que son esprit reste avec nous. Dragon Ball Z. Allez, je le débranche, voilà, c'est fait. Bon, Céline, à toi de jouer maintenant, à toi de montrer ce que tu es capable de faire sur ce parcours. Allez, tu vas prendre le screen, tu vas me mettre une fois.
Rémi Marchand vient de parler. Allez, Félix. Il n'y aura pas d'envol du papillon et ça s'arrête là pour Selim. Selim, moi je voulais un Kamehameha, Selim, je suis déçu moi. Ah non, elle est pas bonne. Écoute, ça va, je demande ce que je veux. Mais elle caille quand même, tu peux. Bon, alors Céline, pourquoi déçu? Déçu parce que franchement, on était bien voilà. Est-ce que tu as minimisé la difficulté du parcours? T'es pas passé loin pour le papillon, c'est pas passé loin. T'es arrivé un peu vite malheureusement sur le papillon. Écoute, ta venue nous a permis d'écouter le générique de Dragon Ball Z. Et stop de chanter. Et moi de chanter, donc ça c'était déjà beaucoup. Merci Céline. Exactement, rien que ça c'est bien. Merci en tout cas de nous avoir permis de redécouvrir ce merveilleux générique et bravo à toi. Ah, il a merci. Fait un Kamehameha, il a fait. Je sais pas s'il a fait. Il a merci. Fait. Ça s'appelle un Kamehameha dans Dragon Ball. Ah, tu suis, c'est un bonheur. Merci en tout cas à toutes et à tous. C'était notre dernier candidat de cette première soirée. Merci de votre public. Patience. Merci à tous, on vous embrasse. Soyez prudents en rentrant et puis on vous donne rendez-vous demain soir. C'était la première soirée, on a eu quelques petits soucis techniques. Demain, ça devrait se passer mieux, ça commencera un peu plus tôt, donc soyez là, évidemment, avec grand merci plaisir. Merci à tous, merci aux équipes. Merci beaucoup, merci Christophe, merci Denis, merci Sandrine. On va faire un petit tirage au sort pour les familles. Merci. Merci à vous, les gars. L'iPhone 6S, c'est maintenant, si on peut m'amener l'urne. Oh, elle est déjà prête, dis-nous, on travaille.